Stéphane Blanchet d'Initiation Gourmande, bonjour. Un sirop, vous avez fait un sirop tout simple avec de l'eau et du sucre. On va rajouter de l'eau et du sucre, mais il y a des proportions quand même à respecter. Alors regardez, c'est très simple. 200 g de sucre, vous avez retenu 200 g dans la casserole. 175 g d'eau dans la casserole. Pour l'instant, ça va, pas trop compliqué. Vous arrivez à suivre, c'est bien. Et on va le faire bouillir pendant 3 minutes. On le réserve, on le met au frais. Et puis après, on s'en sert pour faire des desserts, pour faire des coulis, pour faire des glaces, pour faire plein de choses. Le plus important, c'est de respecter les proportions. Et voilà, les 3 minutes ont passé. Et on va verser ça, voilà, dans un petit bac, tout simplement. Et le sirop est prêt à être utilisé. Eh bien, plutôt que d'acheter un sirop tout fait en bouteille, regardez, c'est vite fait, c'est bien fait, on garde ça au frais. En plus, je fais des verres, c'est magnifique. Et puis voilà, et puis bonne cuisine, bonne préparation.